Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir ensemble comment insérer votre logo dans l'en-tête de votre rapport personnalisé. Alors pour cela, vous devez vous munir de votre ordinateur et bien entendu de vos identifiants pour vous connecter à votre compte. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, et afin de vous permettre de bien comprendre, nous allons voir un rapport personnalisé dans lequel aucun logo n'est présent en en-tête. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans votre historique, cliquez sur Action, puis PDF standard. Donc là, mon PDF se télécharge. J'ouvre mon PDF et voilà. Vous voyez, en en-tête, je n'ai aucun logo. Je n'ai pas le logo de ma société qui apparaît. Donc je ferme. Toc. Voilà. Ensuite, vous allez vous rendre dans l'espace d'administration multiproduit, dans Paramètres de mon compte. Et vous voyez là, vous avez un encart où vous allez pouvoir glisser, déposer une image. Donc moi, je vais choisir le logo de Kizeo. Hop, voilà, donc mon logo a été mis à jour. Et maintenant, je vais retourner sur Kizeo Forms. Voilà, sur Données. Et je vais retourner voir donc le PDF standard que nous avons vu tout à l'heure ensemble. Je l'ouvre. Hop, je vois en en-tête le logo de ma société dans mon rapport personnalisé. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos remarques et suggestions en commentaire. Et si vous avez besoin de plus de précisions, rendez-vous sur votre plateforme Community. À bientôt!